Lorsqu'on parle de la famille de Meghan, on parle beaucoup de celle du côté de son père, c'est-à-dire les Markle. Donc il faudrait d'abord rappeler que Meghan est métisse, son père est blanc et sa mère est noire, noire américaine. Et ces derniers temps, on a plus parlé de son père, enfin du côté de son père, que celui de sa mère. Donc je comprends très bien que Meghan soit proche de la famille de sa mère, mais on les a presque pas montrés. Donc voici des photos en fait de l'album familial du côté de la mère de Meghan, c'est-à-dire du côté de la mère nord-américaine. Donc il s'agit d'un album qui était gardé par son oncle, et son oncle a souhaité partager cet album avec les journaux. Je crois qu'il a peut-être été payé, bien qu'il insiste que ce n'a pas été le cas. Donc sur cet album, vous verrez des photos de Meghan Markle, de ses oncles, de ses tantes, de sa grand-mère dont on dit qu'elle était très très proche, et de ses cousins et cousines dont elle était proche quand elle était petite. Sachant qu'on comprend très bien qu'une famille peut être très proche pendant un certain temps, mais avec les aléas de la vie et les choses, hein, ils se séparent. Donc ici, on a par exemple une Meghan petite. Les premières photos, en fait, c'est les photos de ses parents, le père et la mère de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Gragland, qui sont mariés, leur photo de mariage. Après, on a la photo de Meghan quand elle est toute petite. Elle est vraiment toute mimi. Voilà la photo familiale. Ensuite, il y a une photo familiale de la famille de Meghan et de celle de Markle, dont on voit le père, enfin, le frère, demi-frère de Meghan Markle qui ne l'aime pas. Ensuite, on a les oncles et la tante. Et encore une autre photo de famille. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la famille de Meghan, en fait, en elle-même, est très mélangée. C'est-à-dire que, oui, ils sont afro-américains, mais dans ce mélange-là, il doit y avoir forcément un mélange de caucasiens, comme on appelle, mais en fait, il s'agit de blancs. De blancs, et vraiment, ça donne un mélange, d'où le teint clair d'ailleurs de Meghan Markle, hein. Donc on a par exemple sa grand-mère Nettie Arnold qui est morte il y a quelques années déjà, une grand-mère dont elle était, comme je l'ai dit auparavant, vraiment proche. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point elle était quand même proche de sa famille noire. Et je ne sais pas vraiment pourquoi ils n'ont pas été invités au mariage, mais je crois qu'en fait c'était pour n'avoir pas à donner d'explication quant au fait que la famille blanche n'ait pas été invitée. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle n'a pas invité les deux familles pour n'avoir pas lésé l'autre famille, que les autres familles se sentent lésées, que ça crée une certaine polémique. Au final, ça a quand même créé la polémique, mais bon, voilà. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à cliquer sur like et à vous enregistrer.